Et plop les gens, de retour du coup sur Basement. Tout de suite la suite de la mission précédente. Je t'ai écrasé. Espèce d'insolent. Ouais. On t'a entendu. Allons danser. Et tu pas. On doit reprendre notre business. Après, on trouvera comment les tuer. Oh, pour l'amour de... Même eux, ils l'ont censuré, on va dire. Tes crackers... Laisse tes crackers là où elles sont. Je suis en chemin. Miguel, attaque! Et plop Flo, comment tu vas? Moi ça va bien. Merci de demander. Alors. J'espère que tu sais ce que tu fais, Kenny. Elle te pisse pas dessus. On a leur réseau entier. On est en train de se faire des tonnes d'argent. On est prêt pour eux. On doit juste s'assurer de ne pas reprendre leurs affaires. Et à propos de pas crever, pour le moment, je peux rien faire. Je peux faire des choses. Je peux rien faire. Ça ressemble à la mission précédente, plus ou moins. On ne peut rien faire. Bonjour les gars, police nationale. J'ai entendu que vous avez capturé Tupo et Miguel toutes les opérations de Tupo et Miguel, et que vous êtes en train de faire des tonnes d'argent. Non, vous êtes à la mauvaise adresse. Ah bon? Ah ouais, tu es le... Tu es la... Je sais même pas comment traduire ça en restant poli, on va dire. De Kenny Cash. Je te connais tout de toi. Et toi, Gunter High. Ah ouais? Je ne sais pas. Je suis le mec qui nettoie la merde dans cette ville. Et je prends toujours mon pourcentage. Tupo et Miguel me payaient $1000 tous les deux jours. Et vu que vous avez pris toutes leurs opérations, vous me paierez $2000 tous les deux jours. Ah merde, c'est même pas possible. Je sais combien tu envoies de... Combien tu envoyais de ressources à Yui Xiao. Tu te souviens, je sais tout à propos de toi. Si vous voulez travailler, vous me payez. Et si on veut pas travailler... Regarde. T'es en train d'essayer de te rebeller. Le cas de Hui Xiao, ça sera de retour sur la table. Question? Non? Ah, dans deux jours. J'ai commencé à foirer son accent de plus en plus, j'ai essayé de faire un Marseillais. Au secours. Tais-toi, tu dis rien. Tout ce qu'on doit faire, c'est protéger le business des gangs et payer le poste de la police. Et tout sera ok, t'en fais, tu vas voir.
Mais je peux rien faire pour le moment. Hé hé, je suis ici, je reprends mon bureau. Ça a l'air en route. Et c'est parti. Ouais. Ok, ok. Oh, oh punaise, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Gunther, on va avoir besoin de se défendre contre les attaques des gangs ennemis. On doit entraîner quelques gardes. Ouais, tu penses à quoi ? Juste à côté, il y a un vieux gymnase. On devrait le prendre pour que nos combattants s'entraînent. Ça, ok. Mais plus urgent. Plus urgent, ça c'est immonde. On va tout vendre. Alors ici on va mettre un canapé. Ici on va mettre de la prod. Ici on va mettre ça. Ici on va mettre de la prod. Et ici on va mettre ça. Ici on va mettre de la prod. Et ici on va mettre. Il n'y a plus d'électricité. Ça. Et ici on va mettre de la prod. Voilà. Toi tu viens là. Et toi tu viens là. Ça c'est bon. On a évidemment zéro soldat. Oh punaise, mais ici aussi c'était. Ici il n'y a qu'un seul lit d'hôpital. Oh là là. Ouais, donc. On a entendu que vous étiez les nouveaux boss, les nouveaux patrons. Vous avez du boulot ? Gunther, ces gars sont pas mauvais. Ils peuvent vendre et se battre s'ils ont besoin. On devrait les embaucher. Ouais, super. Où ? Comment ? Toi, tu te vends. Je veux pas qu'il y ait de stock ici. À la limite, ça, on va voir. 15. Tu t'appelles comment ? Tu t'appelles Frédéric ? Toi, tu t'appelles comment ? Tu t'appelles Chase. Et toi, tu t'appelles comment ? Tu t'appelles Virgile. Oh, c'est un peu la loose, là. Ici on peut en ramener un qui. Non, ils sont pas arrivés. Et toi tu t'appelles Shaun? S, tu viens là.
Ah mais non, mais j'ai... Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Je suis perdu, j'essaie de sauvegarder des dégâts. Alors qu'en vrai, je pourrais les virer pour gagner de l'argent, pour moins perdre d'argent. C'est pas mal, ouais, même s'il produit pas vite, au moins ici il sert à quelque chose. Nope, nope, nope. Bon bah ils vont crever. Utiliser 22 sur un 2, donc on peut pas améliorer. Ça, c'est déjà pris. On a bien deux véhicules, c'est bien deux camions, oui. Ok. Non mais... Ah oui, ils peuvent se battre et vendre, mais ils sont pas ouf. Ni à l'un ni à l'autre. Mais théoriquement, si on prend le... Ça, au moins les... Ouais. Mais là, avec deux, je suis pas pouvoir embaucher. Ouais. Ok, alors. Ça, je peux pas. Quoi ? J'ai plus de thunes, j'ai pas assez de thunes. Alors toi, tu viens... Bossez pas, de toute façon vous pouvez venir faire un peu de chair à canon, on va dire. Oh, j'ai 2000, arrive avant minuit. Alors les gars, comment marchent les affaires? Vous avez mis 2000 balles? Ouais, c'est ici. Ah, plus. Et du coup, les flics ont eu leur sous. Mais moi, j'ai... C'est tout, quoi. Juste les flics. Donc tous mes employés, il n'y en a aucun qui a eu son salaire. Ils vont peut-être réussir à le prendre eux tous. Cool, on a le gym, la salle de sport. Le plus, on entraîne un combattant à la gym, au centre de sport. Le plus fort il tape. Et le plus il peut se prendre dans la face. C'est cool la salle de sport. On devrait mettre une infirmerie dedans. Ce serait vraiment génial. Ouais, mais on peut toujours leur donner du green à la place. Kenny, on peut pas se permettre de leur donner des traitements spéciaux. On t'en vendre. Oh vieux, la vie ça, c'est plus important que l'argent. Au fait, Tupo et Miguel veulent reprendre leur point de vente. Mais ils s'en fichent de ce bâtiment. On peut se cacher là-dedans si ça va mal. Ouais, du coup je pense qu'on devrait aller. Hein. Bonne idée. J'ai muté des toilettes, des chiottes. Quoi? Alors, c'est une salle de sport, donc on enlève les douches.
Ça, je pense qu'on peut enlever. Tac, tac. Ça. Et plop, pitou. Comment ça va? Qu'est-ce que j'en fais, moi, de ce bâtiment? Là, j'ai du pourpre, j'ai du green. Ah, et si, il faut quand même qu'il se repose, ok, donc on va garder les canapés. Mais on pourrait faire un 2, 3, 4. Genre 4 lits d'hôpitaux. Je vais me dire qu'ils ont pas de. Ouais, 3, ça sera déjà bien. Allez vous soigner. C'est un peu dommage parce qu'on aurait voulu que l'espace soit là. Ouais, ça sera pas facile. Hein. Tout va aller, reste sur tes pieds. Moi ça va aussi, merci. Ouais, déjà 3 ça va être bien. Oh punaise. Ils sont déjà morts. Non, j'ai pas vu qu'il prenait mon camp principal. Allez, on va recharger au checkpoint. Alors à quel point c'est... Est-ce que c'est le tout début ? Plus ou moins au tout début. Ouais, il n'y avait pas encore eu les flics. Oh punaise. Ok. On a déjà tout lu à l'instant. Je vais pas vous le refaire. Et traduire, c'est relou. Voilà. Ouais, vendez ce que vous pouvez. Maintenant, ce qu'on veut, nous. On va attendre d'ailleurs que ces braves gens meurent. On va me faire de la place. Ah bah non! Mince. Tac, tac, tac. Ici, on va peut-être le garder, on sait jamais, ça peut être pratique. Ici, on pourra réagencer plus tard. Aussi. Ouais. Mais tu t'appelles comment? Tu t'appelles Chase? Parce que toi tu t'appelles Frédéric. Autant les envoyer à l'abattoir avant qu'ils crèvent, on va dire. Enfin, pas qu'ils crèvent pour rien, mais qui me servent de combattant pour prendre cet endroit.
coup j'ai un peu peut-être perdu un client, mais... Alors... D'ailleurs ça, est-ce que... Oups là, non, on peut pas l'améliorer, et ça on peut l'améliorer, oh, je ne savais pas. Ah, j'ai pas de sous, super, le flic va me défoncer. Ça augmente pas mal la vitesse, effectivement, mais ça diminue l'électricité, enfin ça demande de l'électricité. Bien, c'est vous qui l'avez demandé. Team Alpha, on a besoin de faire une fête de revoir. Ok. Du coup, les flics prennent le lieu. Et en plus, il y a un endroit pour se reposer. Pour soigner 1, 2, 3, 4. Oh, ouais, non, les flics, s'ils prennent les lieux, ça peut être très embêtant. Ouais. Mais au moins, ils me défoncent pas comme dans les autres missions. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans quel ordre on le fait surtout? J'ai du pourpre d'avance, j'ai du vert d'avance. Les points de vente, c'est pas ouf. Ils vendent ce qu'ils peuvent, mais voilà. Tac, tac, tac. Non, non, par contre, là, vous venez pas... Non. Toi, tu t'appelles Caleb. Caleb, bienvenue. Combattant. Mais ça, on peut pas se permettre de perdre comme lieu. Ouais, lui qui veut s'amuser avec des cadavres. Hop là, pareil, maintenant faut que vous veniez ici de toute urgence. Non, je peux pas faire venir genre Kenny et Gunther pour pas qu'ils crèvent. Et au final, tous les combattants libres. J'ai pas tu. Cassez-vous. Tu t'appelles comment? Javier. Viens, Javier. On n'a pas d'argent. Il y a un masse de stock, au secours. Ok, bon.
Au moins on survit. Oh punaise, ici attaquer ça va être compliqué. Ici pareil. Ah non. Avant il y avait 3 gars par-ci par-là, maintenant il y a une armée à chaque fois. Eh ben du coup faut qu'on... Non peut-être pas Kenny. Le... Non pas toi non plus. Cette mission encore. Par contre, les gars, allez-y, hein, si vous voulez attaquer les... Oh, punaise. Mais là, je ne fais plus de blé, en fait. Tout ce que je peux faire, c'est elle qui vend. Et voilà. Et les flics vont venir ici. Bon, bah, game over. Oh, punaise. Encore une mission super dure. Je vais les laisser crever hein, parce que ça sert à rien de les faire s'échapper. Non, Kenny, je suis mort. Mec, tu vas devoir recommencer depuis le début, t'as vraiment fait n'importe. Bourriner le clic c'est relou et des fois maintenir le clic ça marche pas bien. Et donc là on attend que Miguel reprenne son bureau. Et on va pouvoir commencer. En bas. C'est un peu plus long mais pas envie d'autant de stock ici. Alors toi tu t'appelles Virgile. Et toi tu t'appelles
s'appelle Chase. Donc Virgil et Chase vont venir se réfugier ici. Et Frédéric. Oui. Plus Shaun. Bon. Ah lui, c'est... Oh punaise. Ça veut dire ça, le risque d'explosion. Cash. On va avoir besoin de tous ceux qui se sont fait virer de chez eux. Mais que ça me faisait trop de mal de les voir mourir. On va dire ça. Celle de sport. On va commencer par un lit. Non, on va en mettre un deuxième ici. Allez vous soigner. Ça on vend, ça on vend. Ça on améliore. Là, ce qui est cool, c'est que du coup, il y en a une petite partie qui va se soigner pendant que la plupart s'entraînent. Mais n'empêche qu'il reste 70 000 à chaque endroit. Donc, ils vont devoir s'entraîner longtemps pour le moment. Je pourrais faire de la production ici. Caleb, Caleb, t'es où? Viens là. Par contre, ici, il faut pas qu'on perde ça. Toi. Du coup Caleb il est juste allé s'entraîner, c'est pas grave. Oui oui. J'ai pas de thunes pour les flics. Adieu.
J'étais censé avoir des vendeurs là. J'ai plus que 7 boutiques qui vend. Je vais m'en sortir. On va juste voir comment ça se passe ici. Hein. Ok, on les a eus. Non, pas toi. Pas toi. Vous venez là. J'allais dire, il faut que je mette deux gens à vendre pour la vente ici. Mais non. Mais là je suis déjà eu quoi. Il faut que j'ai toujours assez de thunes pour que j'ai toujours assez de thunes pour payer les flics, mais que j'ai quand même masse de gars pour pouvoir se battre quoi. Bonjour, qu'est-ce qui se passe par ici? Oh mince, il y a pas mal d'opérations, c'est pas bon du tout. Je suis désolé, je vais devoir tout confisquer. Eh non, on paye ton chef de police. Et tu sais qui je suis Tu sais qui mon père est? Ouais, ton père. Voilà, on va l'insulter. Ce qui compte, c'est que tu confused. C'est que t'as un peu perdu tes moyens. Tu sais pas ce qui se passe. On paie le chef de la police. Appelons-le. Non. Ne dites pas ce que vous dites. Ouais, bon, vous pouvez quand même me vendre quelque chose. Qu'est-ce que t'as besoin? Du pourpre. À toi pour 1 300 $. Ok. Deal. Ne le dites pas à mon père. C'est bon, on a la solution de comment réussir à payer 2000 tous les deux jours. Donc il faut produire masse de... Là je pense que la partie est encore perdue. Mais il faut pas trop perdre nos points. Genre comme ça en ce moment là. Il faut payer toujours les flics, toujours, toujours. Parce que là je pense que c'est genre le deuxième raid, ils vont pas les tuer. Voilà. Il reste encore 2,5 gars, on va dire. Et il faut toujours avoir nos 2000 sur nous. Mais le fils du chef de police va pouvoir nous aider de temps en temps. Ok, on a un plan qui arrive. Voilà le titre du coup de l'épisode. Le titre de l'émission.
en faisant mission suivante. On ne le voit pas, évidemment. Rien, Kenny. Frankly, Otis et Matthew. Et je peux pas vous faire vous déplacer. Je ne peux pas vous sauver. Quoi ? Mais il se bat avec un dealer ? Ah bah oui, parce que le pourpre a des chances de rendre agressif. Ouais bah clairement, il faut mettre des racailles des rues, ils vendront moins vite, mais au moins ils pourront se défendre au moins contre eux. Et c'est parti. Tu es bel et bien Frédéric. Et toi, Virgile. Hop. Et je pense que je vais réorganiser ça. Tout de suite quand même. Et j'ai oublié Sean. Je me fais gaffe. Est-ce que c'est trop tard, Sean? Pauvre petit Sean. Ouais, trop tard. Ok, on peut vendre ça. On peut vendre ça. On peut vendre ça. Ici, on va faire le canap. Ici, l'entrepôt. Et le pourpre ici. Ok. Ça, on vend. Si on va avoir besoin qu'il soit amélioré de toute façon. Je devrais peut-être pas faire ça dans l'idée. J'ai même pas vérifié si les prods étaient améliorés. Elles ont pas l'air. Ici on peut vendre. Donc toi tu travailles bel et bien là. Tiens ta thune, à plus. Ok. Puis on va. Avec tout ça, j'ai peut-être embauché. Pas laisser assez de place pour les producteurs.
si tu veux me produire ça, toi. Vous envoyer ouais, on vous envoie quand même. Oh punaise. Allez, finissez-les vite. Gym. Ok, c'est bon. Pas toi. Tu as crevé, pas toi non plus. La gym. On va vendre ça. Ça. On va se faire qu'un seul lit d'hôpital pour le moment. Oui, bon, les menaces on connaît à peu près. Et mince, il meurt. J'ai à peine eu le temps de voir qu'il allait arriver. Allez, dernier essai pour cette VOD en tout cas. Parce qu'au final, les essais sont plutôt courts. Oh, si seulement je pouvais appuyer sur échappe pour juste passer. Voilà, il y a Tuo qui reprend ses trucs. Après, il y a les flics. Après, il y a Miguel. Gérer ça, oui. Tac. Sauver tout de suite Frédéric et Chase. Frédéric et Chase, et normalement c'est Javier. Non, Sean et je sais plus Caleb, je crois. Quoi ? Ok, mais les vendeurs se font buter. Avant même de commencer. Oui, donc ici, upgrade, il n'y en a pas. Et ici, upgrade, il n'y en a pas. Ok, il n'y avait aucune upgrade. On vend. On vend.
Celui-là, j'avoue, je sais pas. Celui-là, c'est clair qu'on vend. Parce que au pire, là, ça me fait le vendre, puis le racheter beaucoup plus cher. Non, on peut essayer. J'aurais pas dû vendre celui-ci, du coup, mais... Non, il faut d'abord embaucher des gens un petit peu. Ok, alors. Vous êtes libre, pas toi. Vous êtes libre. C'est quand même plus compliqué hein, entre les clients qui se rebellent. Et la prod qui me pète à la face. Sinon on va fabriquer ça. 250 d'améliorer, ouais, c'est quand même cher. Oui. Parce que là, il nous faut masse de thunes pour le moment. Donc là, on est toujours un vendeur. Non, je suis obligé de regarder si les vendeurs sont toujours présents, quoi. C'est un peu étrange. Donc lui produit beaucoup trop de verre par rapport à la vente. Eux doivent produire largement suffisamment de rouge, on va dire. J'ai deux véhicules, donc j'ai pas besoin d'en prendre plus. Alors ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça, ouais. Donc ici, 1, 2, 3, 4, et ici, 1, 2, 3. J'espère que eux deux n'ont pas crevé dans l'intervalle, en attendant que le camion arrive. Et si... C'est... compliqué ce jeu. Oh, punaise. Bon, et ben, un deuxième épisode où je n'y arrive pas. J'espère que ça vous plaît de me voir galérer pour gérer ce genre d'entreprise. Bref. Et ben, les choses sont ainsi. Hein. Je n'y arrive pas aussi facilement. C'est aussi ce qui fait qu'on aime les jeux de gestion, c'est quand ils nous résistent. Bon là, comme je l'ai déjà un peu dit, c'est la vitesse qui... Je suis pas forcément quelqu'un qui joue aux jeux de gestion en vitesse très élevée. Et là, du coup, la vitesse par défaut est quand même relativement élevée. Il y a toujours quelque chose qui se passe. On est toujours obligé d'envoyer nos gars quelque part, vérifier qu'ils soient toujours en vie, vérifier que... Voilà, plein de choses. J'aurais pas été contre si le jeu était un peu plus lent par défaut quand même.
mais la vitesse lente est vraiment trop lente pour du jeu standard. Quand on a des choses à faire, on se rend compte que on se fait attaquer. Là, j'aurais peut-être dû mettre... Ah, je me fais attaquer à deux endroits vite, je mets en très ralenti, comme ça les camions vont plus vite. Enfin, je suis plus vite prêt pour envoyer les gens. Il y a moins de temps qui se passe entre. Mais voilà. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Du coup, ben... À la prochaine.